Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Folklore populaire Meilleur moment. Cette semaine, nous vous offrons dans la première partie Claude Dermette et Aline Corbin, le chant « Elle a quitté son village », Claude Lehoux, violon, le breakdown chinois, Christiane Barlow en chanson « On a tous besoin d'un grand amour », et voici pour débuter cette magnifique émission, M. Jacques Lamy à l'accordéon, le reel de Rimouski. On vous souhaite une excellente émission. Monsieur Jacques Lamy. J'ai une histoire à te raconter, et crois-moi qu'elle n'est pas inventée. Il s'agit d'un gars qui pourrait être moi, ou même ton voisin d'à côté. C'est une chanson que mon père m'a appris quand j'étais au comme ma guitare. En quelques secondes, je vais te la chanter. Tu verras que c'est une triste histoire. Il a quitté son village, ses parents et ses amis, pour s'en aller vers la grande cité, croyant y trouver le paradis. Il a quitté son village, son ruisseau et sa maison, le paradis qu'on lui avait promis est fait de bruit et de pollution. Il va s'en sortir. Il est bien décidé à faire n'importe quoi pour se créer un bel avenir. Mais pendant que lui court après la richesse, mes amis, je connais bien des gens qui laisseraient
quitté son village, son ruisseau et sa maison, le paradis qu'on lui avait promis était de bruyer de pollution. Le paradis qu'on lui avait promis était de bruyer de pollution. Belle chanson, M. Vermette. Merci. Besoin d'un grand amour qui ne
Marlowe, très, très belle chanson. Ça me rappelle de bons souvenirs. Alors, dans ce deuxième tour, on va vous offrir Marielle Pellerin et Marie-Paul Boucher en chanson « Belle rose du printemps ». Louisette Moreau au violon, un reel traditionnel. Jules Pellerin à l'harmonica, le reel de Mexico. Et voici Jean-Pierre Baudet en chanson « Le lendemain de la veille ». Quand vient lundi matin, on baille de sommeil. On n'est pas bien, on manque d'entrain, c'est le lendemain de la veille. Pour aller travailler, on est tout éreinté. Il faut bien le dire, on est pogné, on est pas mal frippé. Vive le vendredi, le jour la paye. La vie est belle, on a le cœur gai. Vive le vendredi, le jour la paye. Vive la bouteille, on va fêter. Et puis le mardi matin, c'est encore le même refrain. On a l'esprit encore parti, on est tout étourdi. Si le jour peut passer, mesdames, messieurs, je vous dis, aucun besoin de se faire bercer pour aller se coucher. Vive le vendredi, le jour de la paye. La vie est belle, on a le cœur gai. Vive le vendredi, le jour de la paye. Vive la bouteille, on va fêter. Le mercredi matin, le lendemain qui nous revient. Faut bien penser pour comprendre qu'il faut gagner son pain. On a un peu plus de cœur, on oublie ses malheurs. Et puis voilà, oui c'est comme ça, on n'a plus de douleur. Vive le vendredi, le jour de la paye. La vie est belle, on a le cœur gai. Vive le vendredi, le jour de la paye. Vive la bouteille, on va fêter. Jeudi matin, on pèse sur les freins. Ce serait pas le temps, non, mais vraiment d'avoir un accident. On pense à cette semaine, aux belles heures qui s'amènent. Au vendredi, comme on se dit, c'est le vrai paradis. Vive le vendredi, le jour de la paye. La vie est belle, on a le cœur gai. Vive le vendredi, le jour de la paye. Vive la bouteille, on va fêter. Le vendredi, je m'éveille, c'est le jour de la veille. Je suis léger, j'ai le cœur vide, je suis prêt à danser. À faire de la musique, à partir en pique-nique. Voilà qu'enfin, elle est passée, maintenant on peut trinquer. Vive le vendredi, le jour de la veille. La vie est belle, on a le cœur gai. Le jour de la paye, vive la bouteille, on va fêter. Vive le vendredi, le jour de la paye. La vie est belle, on a le cœur gai. Vive le vendredi, le jour de la paye. Vive la bouteille, on va fêter. Vive la bouteille, on va fêter. Jean-Pierre Baudet, hey! Merci, M. Baudet, tabarouette. Là-haut, là-bas, sur la montagne. 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 Il y avait des boutons blancs. Viens-t'en donc, belle rose. Il y avait des boutons blancs. Qui n'est
à Louisette Moreau. Merci Jules Pellerin, merci. Alors, mesdames et messieurs, voici ce qui met fin à notre émission pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre magnifique émission de folklore populaire Meilleur Moment. Sur ce, je vous laisse avec Christiane Marcotte à l'accordéon, le Rossignol. Bonne semaine à tous.